Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore, et qui la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances et le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, selon les sources proches de la famille du défunt, Jean-Michel Bokabayamouma, les langues se délirent. En effet, on parle de Babomiye. En d'autres termes, on l'a tué. Alors, comment? Par qui? Pourquoi? Et pourquoi faire? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Michel Bokabayamouma est décédé suite à un empoisonnement injustement requalifié de mort par COVID-19. Je répète, Jean-Michel Bokabayamouma est décédé suite à un empoisonnement injustement requalifié de mort par COVID-19. Hospitalisé dans un centre de santé de fortune à Brazzaville, l'ancien et célèbre syndicaliste des années 70, 80, 90 est mort certainement d'un empoisonnement. Alors, pourquoi a-t-il été empoisonné? C'est tout le questionnement. Alors, qui était Jean-Michel Bokabayamouma? Ce fut un homme du Nord, Congo-Brazzaville, de la tribu des Likouba, ville de Moussaka. Il était aussi originaire de la région de la Kivette centrale. On appelle ça aujourd'hui département, c'est la région de la Kivette centrale, la région aussi de Monsieur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Michel Bokabayamouma fut le patron indéboulonnable de la Confédération syndicale congolaise des années 70, 80 et 90. C'est ce même Bokabayamouma, à travers la Confédération syndicale congolaise, qu'il avait amené Sassou Nguesso au pouvoir en 1979 à travers un coup d'État politique. C'est Bokabayamouma qui avait fait Sassou Nguesso. Et en 1990-91, c'est le même Bokabayamouma qui avait défait Sassou Nguesso. Parce que, d'après les sources, qu'il s'était trompé de la personne qu'il ne pensait pas qu'il allait devenir un monstre comme ça ou autre. Je sais un peu d'interpréter. Donc, il s'était trompé et c'est les raisons pour lesquelles il avait choisi la dynamique du changement et du monopartisme et qui avait conduit ce pays à la conférence nationale souveraine de 1991, qui s'était passée de février à juin 1991, qui avait abouti à la transition politique de juin 1991 jusqu'à juillet 1992, où on avait organisé les quatre élections démocratiques jamais contestées dans ce pays, les municipales, les législatives, les sénatoriales et l'élection présidentielle qui avait abouti à l'élection en juillet 1992 du professeur Pascal Lissouba. Premier, deuxième, Bernard Colella, père à son âme, et troisième, Denis Sassou Nguesso. Et qui, pendant ces 5 ans, Sassou serait déjà venu se préparer ici en France pour, à travers le coup d'État sanglant, Force Afrique, qu'il avait déjà, ses pions, qu'il avait déjà placé dans le pouvoir de Lissouba. Et donc, en 97, donc, il arrive un coup d'État militaire sanglant, dont le capital décède autour de 400 000 morts, et avec toutes les conséquences actuelles, on avoisine 1 million de morts. Mais Sassou Nguesso est encore là, indéboulonnable. Et donc, nous partions de cette histoire-là de Bokabayamouma. Il fut un célèbre, le célèbre syndicaliste pendant cette période de la fin de la guerre froide oui, de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin en 1989
Et puis, tout ce qui s'est passé. Ben, après, là, je ne savais même plus qu'est-ce qui serait devenu, parce qu'en 1992, j'étais rentré en France. Et ben, pendant ces moments-là, qui parlaient de la 91, là, j'enseignais au lycée Chaminade, en face du CHU, là où il serait mort. Et voilà. Donc, pendant ces années, on connaît bien toute cette histoire-là. Et donc, il me semble que depuis, j'ai regardé un peu dans son CV, je n'ai pas demandé autre information. Il me semble qu'il avait continué à rester syndicaliste jusqu'à 1997, jusqu'au coup d'État à peu près. Et que, bon, d'après les réseaux que nous avions, il aurait rejoint le Mangeoire de Sassou Nguesso. Donc, il aurait rejoint le rang de Sassou Nguesso. Et on l'a pu, par exemple, voir en 2019 qu'il était parmi les membres du dialogue de Sassou Nguesso, parce que les dialogues font partie des mécanismes de la conservation du Litiganée. Donc, on l'a vu là, et dans ce dialogue qui a été démasqué, grillé et autres, je ne savais pas la suite. Bon, voilà pour la petite histoire de fait Jean-Michel Boukaba-Nguema, paix à son âme et les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso aurait-il empoisonné Jean-Michel Boukaba-Nguema? C'est bizarre. Et justifiable à la fois. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord un rancunier. Donc, la période là où Jean-Michel Boukaba-Nguema avait tenu tête à lui, avec ces syndicalistes-là en 1990, s'il n'y avait pas ces syndicalistes-là, ça serait encore continué. Donc, il avait bloqué le pays avec tous ces syndicalistes. Et donc, Sassou était un peu bloqué, d'autant plus qu'il y a aussi il y avait aussi les armées qui, je vous parlera dans le deuxième message qui est envoyé. Donc, le premier message de Sassou, c'est comme il est rancunier, il a voulu certainement régler ses comptes avec Jean-Michel Boukaba-Nguema. Et pourquoi? Parce que bon, ben, nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur sa mort, mais les spéculations vont bon train. Mais de mon point de vue, là, bon, ben, là, Sassou Nguesso a voulu passer trois messages, comme je l'avais dit. Le premier message, c'est que bon, les échéances de 2021 arrivent et qu'au sein du clan, on n'a plus rien à perdre. Et comme leur système antisocial et criminogène n'est pas aménageable, ils ont toujours agi par la mort silencieuse, ou ce qu'on appelle les empoisonnements, ou par d'autres méthodes qui sont liées à la violence et aux compagnies, ou vous invitez à se barrer à l'étranger, quoi. Et donc, sur ce plan, je pense que Sassou a voulu donner déjà un message, hein, envoyer un message, hein, pour des échéances à venir, quoi. Qui, malgré les apparences, Jean-Michel Boukaba-Nguema était quand même resté quelqu'un une personnalité morale et respectable, et surtout notamment dans la partie sud du Congo. Et on ne l'a pas vu intervenir quand il y avait les présidentielles de 2016, quand il y avait Jean-Marie Michel Moukoko, mais étant donné que Jean-Michel Moukoko est né à une partie d'origine de Moussaka. Donc il est né, Jean-Marie Michel Moukoko est né dans sa tribu, à Moussaka, comme fut Jean-Michel Boukaba-Nguema, comme les Boukilo et tout ça. C'est des gens de Moussaka. Et donc, Jean-Michel Boukaba-Nguema est resté quelqu'un d'influent. Et qui, comme il a un cerveau, une âme de conscience, et avec les échéances qui arrivent, et ça risque de tout chambouler. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut voir la géopolitique régionale. Et dans la région de la Cuvette, il y a les réseaux Makwa, où il y a Moukoko, il y a la tribu de Kouyou, de Mayombabi, les Pianga. Et déjà, Makwa là-bas, la tribu de Makwa, ça marche plus bien avec Sassou Nguesso, civil pour tribunitaire. Les Kouyou, oui, beaucoup des réseaux de Kouyou que je connais beaucoup ici, disent que Sassou, c'est le traître, ce fut le grand traître des Kouyou, qui a roulé Mayombabi, qui a roulé Yobi Opago, qui a roulé Pianga, qui a roulé tout le monde. Donc là-bas, il est considéré comme un grand traître.
Parce que s'il n'y avait pas des Marien Ngouabi, les Yobio Pango, tout ça, Sassou ne serait pas Sassou Nguesso. Mais vois comment il les a traités par la suite. Et donc, là, il reste les Tékés au sud qui sont là, et au guet-apens aussi, parce qu'avec ce qui s'est passé des Tchourous, des Okomi Salissa, et des humiliations, des dengues sur les Kouas et tout ça, n'oublions pas aussi il reste quelque part les Likouba. Mais là, Boukaba Gouma est imprévisible, puisqu'il reste une autorité, il pourra dire non, mais écoutez, bon, ben. Je peux changer mon corps à tout instant. C'est sa liberté d'opinion, d'expression, d'association, mais ça ne voit pas ça comme ça. Donc, je pense que pour la refondation du Nord, Sassou veut éliminer toutes les personnalités du Nord qui sont influents en prévision de ce qui arrive pour que d'ici 2021, il se retrouve qu'avec les pions, ces pions complices du Sud. Ça, c'est mon point de vue. Parce que dans le nord, là-bas, il y a eu des règlements politiques et militaires. Et donc, comment Sassou Nguesso va-t-il recoller le nord? Donc, ils sont fous de toute façon. Parce que si en éliminant tous les dignes du nord, là, il va rester que tout seul. Et donc, c'est ça qui fait que le risque est que Sassou Nguesso, vous avez nordiste, vous avez produit un monstre qui est en train de tout vous dévorer, vous aussi, dans le nord. Le paradoxe, c'est qu'ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de mourir comme là, comme si Sassou Nguesso serait un dieu. Avec tous les moyens colossaux de l'État, et donc ils disposent, avec la complicité aussi de beaucoup des nordistes, et même de la cuvette, ils sont là. Et donc ils n'arrivent pas à agir, donc ils vont tous les dévorer. Et c'est bien comme ça, pour certains réseaux disent ça. Ils sont en train de mourir. Regardez, il y a le comité militaire du parti de 1980, de 1977 à 1979, après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Sous les 11 membres du comité militaire du parti, il reste que 3 éléments. Tous les autres ont été éliminés sans qu'ils puissent réagir. Oh, ils sont là comme des moutons à qui le tour. Il reste que Lucien Goma, qui doit être ambassadeur au Brésil, non? Et puis Florent Tsiba, qui doit être porte-parole ou directeur du cabinet de Sassou, plus Sassou qui sont lui-même. Les autres ont été éliminés et leurs enfants sont là. Donc, un pays ne peut avancer dans le mensonge, dans la lâcheté et autres. Donc, on voit les résultats. Donc, Sassou est là, donc il agit en maître. Face à ces gens qui les ont entraînés, conditionnés à se soumettre à lui, qui les ont entraînés et conditionnés à être des indigènes, des esclaves à lui. Bien sûr qu'il en a abusé. Comme si ce pays-là était dû, c'est sa propriété privée. Donc tout ce qu'il a fait comme nomination, administration, institution et tout compagnie, c'est comme un dû. Alors que l'État est impersonnel. Donc si on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité haute, c'est pour l'intérêt de l'État, mais eux, ils voient comme une propriété privée. Donc tout ce que ce soit fait comme eux, donc, vous devez à Sassou Nguesso. Comme si l'État c'est Sassou Nguesso. Comme si ce pays n'existait qu'avec Sassou Nguesso et n'existera plus après Sassou Nguesso. Donc vous voyez tout le paradoxe de ce que nous, à un moment ou l'autre, on a qualifié comme intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, gens qui sont allés à l'école, ont baissé leur niveau de raisonnement et de conscience, on se retrouve dans ces conditions. C'est une indignité totale. Et donc, on va voir, là, donc, comme j'ai rencontré plein ici, à l'époque où j'étais encore plus visible parmi ces milieux-là, on n'avait que des orphelins de ces gens qui se sont éliminés un à un. Ben, parfois, on se dit, bon, on tourne comme ça là-bas, donc c'est à nous qu'on ne sait pas, c'est vos affaires. Donc, on passe comme ça. Et demain, c'est beaucoup de gens vont faire comme ça. Parce que vous étiez là. Et regarde, il est en train de vous éliminer un à un, les parents, les frères, comme des quilles dans un bowling. Et là, il ne peut pas agir. Donc, ce premier message est déjà de montrer que bon, bien, Sassou cherche déjà à éliminer les opposants, concurrents, adversaires ou serviteurs gênants ou collabos gênants, toute compagnie qui était là, ils sont en train de préparer, il agit en avance. Il est dans l'anticipation, il est dans la stratégie. C'est un jeu d'échecs où on fait tomber des pions et des pièces maîtresses qui, à toute façon, peuvent se retourner contre vous-même, vous damez le pion. Donc, il joue ce jeu, il joue sa propre vie, il vit sa survie. Et donc, là, il n'y a plus d'émotions ni de sentiments. On est dans un jeu cérébral, de stratégie. Donc, ça soit en train de jouer la stratégie pour éliminer beaucoup de gardes du Nord et qui, demain, peuvent être là d'ici 2021, qui est déjà imprévisible, que je vous ai dit que si on ne cherche pas à sortir de cette affaire par le consensus, on met tout pour le mettre hors d'état de nuire, sauver les vies et ce pays pour entrer dans une période de transition consensuelle, pacifique et autre.
Il est sûr et certain, nous allons rentrer dans la période la plus sombre de notre histoire, puisque Sassou est arrivé par la violence, par les moments sombres, il va partir par les choses là, et ça va pas, les peuples ne vont pas souffrir, bien sûr, ils vont souffrir, mais c'est eux qui vont, les clans et tout ça, qui vont souffrir beaucoup de, pendant encore des années. Je dis éviter les chaos, parce que quand la justice des vainqueurs sera faite, avec la chasse à l'homme, mort d'homme et tout compagnie, donc on ne sait pas. La situation est imprévisible, mais ça se montre déjà les signes qu'il veut passer en force. Et donc, les gens disent non. Cette fois-ci, oui, préparer individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au niveau de toutes les familles, de tous les clans et autres, des tribus, nous allons rentrer dans la période sombre jusqu'à faire partie de Sassou Nguesso. Il s'est enraciné, donc on va parler de vous. Quand il y a un arbre, pour les faire tomber cet arbre, où il faut enlever les feuilles pour qu'il n'y ait pas photosynthèse. Mais ça peut encore durer tant que voilà, ça peut encore se régénérer ou couper les troncs ou à défaut les racines. Et donc là, c'est dur pour nous en ce moment suite à cette classe politique, intellectuelle et autres qui ont renoncé à leurs droits et devoirs des citoyens, la liberté et la dignité. Donc vous avez tout compris. Donc sur ce plan, je pense que c'est des prémices de quelque chose qui est en train de se préparer contre les nordistes, contre certains éléments, et ils ont leur agenda, ils ont leur plan caché. Ils sont là, ils travaillent calmement. C'est comme dans un jeu de siècle, nous agitons, et ils travaillent calmement. L'avantage, c'est que le peuple aussi, il est calme comme eux. Mais quand ça va s'exploser, que c'est comme une bombe atomique, c'est comme un volcan. Donc ça, de côté-là, on a la matière, on a l'énergie, on a les combustibles qui est en dormance. Il peut s'exposer à toutes les heures. Mais je vous dis que dans 97% des cas, préparez-vous d'ici à 2021, juillet, préparez-vous déjà au chaos. Au chaos, parce qu'ils ne lâcheront pas. On a envoyé des lettres de rappel à Kremikel 2016, et quand ils tiennent, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, vaincre ou mourir. Donc, on va mourir là. Donc, c'est eux qui vont perdre. Go! Parce que là, quand les revanchards, les haineux, les assoiffés de sang, tous ceux qui sont comme eux, vont rentrer en avant avec tout ce qui est passé comme mal. Et déjà, les problèmes de Kamara Mbumala, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, s'il a empoisonné, donc il a voulu éliminer quelqu'un qui, à tout instant, peut devenir quelqu'un d'imprévisible ou qui est déjà populaire et autre, on ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, que dernièrement, on a monté en puissance envers certains nordistes comme Jean-Luc Maléka de la Likwala, on a monté en puissance contre Jean-Marie Michel Mokoko de la Cuvette et aussi Clément Mérassa de Plateau. Et donc, ils ne sont pas choisis au hasard. Donc, ils se préparent, ils sont des spécialistes des coups tordus, coups bas. Donc, nous, on est là pour la voix de son voix et de son visage et du commun de mortel pour alerter et veiller parce que le danger est là. Il est déjà imprévisible. Donc, je vous informe qu'ils se préparent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième message est surtout adressé à Jean-Marie Michel Mokoko, c'est clair. Nous avons alerté beaucoup des réseaux Makwa et de tous ceux qui aiment ce pays. Il faut protéger Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que sous l'hôtel ou sous le prétexte de la Libye du Covid-19, il peut faire beaucoup de choses. Donc, d'autant plus qu'en français, on dit jamais 203. En 1990-91, nous avions trois éléments qui ont tenu tête à Sassou Nguesso pour qu'on passe à la conférence nationale et à la transition politique. Tous les trois étaient des nordistes. Il y avait un, Raymond Damas Golo, ministre de la Défense. Paix à son âme, il n'est plus là. Il est mort dans les conditions, on ne sait pas comment il est mort. Deux, le syndicaliste Jean-Michel Bokaba Goma, nordiste aussi, de la Cuvette. Raymond Damas Golo était un teke, nordiste de un teke. Et puis, Jean-Michel Bokaba Nguma, c'est un Likouba, de la région de la Cuvette. Et puis, lui, il était syndicaliste. Maintenant, après, il y avait surtout le chef d'état-major des armées à l'époque. C'était Jean-Marie Michel Mokoko. Lui, il est de la tribu de Makwa, né à Moussaka, mais de la tribu de Makwa, donc ma tribu. Donc, vous avez, si on voit les sens comme ça, vous avez la tribu de Mokoko à Makwa, allez, se voir sur l'équateur. Et puis, vers l'est, vous avez la tribu de
Bokama Nguma, paix à son âme, qu'on appelle les Lukubas, situé à 300 km de là, sur la Lukwala Mosaka. Sur le fleuve Kogo, là où le fleuve Kogo est le plus large, c'est sa tribu là. Ce fleuve Kogo est le plus large, il y a des îles là, ça fait au moins 8 km de large. Oui, ça fait au moins 8 km de large le fleuve Kogo là. Autour de Mosaka, Lianga et Lukula. Donc tout au là, il y a plein de 1000 îles, îles et îles. Donc c'est énorme le fleuve là, Kogo là. Le deuxième fleuve le plus puissant du monde. À son doigt de sa tribu, il fait 8 km de large. Regardez sur les cartes à Gondissé. Vous allez voir, c'est énorme, avec plein d'îles. Et au sud de les Makwa, donc vous avez les Kuyu, la tribu des Kuyu, des Marem Gwabi, paix à son âme, des Yobi Opango, paix à son âme, des Piaonga, paix à son âme. Après, en bas, les Moshi, les Sassou Gesso. Donc, toutes ces tribus forment la région de la Kivette. Et donc, on nous signale qu'après, comme on dit, jamais descente 3. Bokama Nguma parti, Diamant Damas Golo parti, il reste qu'un seul élément de cette période de transition-là de conférence nationale, Jean-Marie Michel Mokoko. Comme on sait des réseaux là-bas, il dit que le gibier est dans le filet. Donc attention, danger. Et c'est ça le danger que je vous dis déjà de l'avant, la suite de Sassou et de l'après. Donc nous sommes en train de mettre, c'est-à-dire on est en train de chercher, il nous reste que le détonateur, Sassou est en train de préparer quelque chose de détonateur. Dès qu'il met le feu, on va être dans une situation incontrôlable dans ce pays-là. Donc, préparez pour ne pas arriver à quelque chose d'incontrôlable. Et la troisième et dernier message, c'est que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable, le système antisocial et criminogène n'est pas aménageable. Donc, ils vont en profiter du Covid-19 et de tout ce qui est mauvais pour éliminer les uns et les autres. Ça devient le prétexte parce que nous, au pays là-bas, bon, avant le Covid-19, la population mourait, les morts à Brazzaville n'ont pas changé à cause du coronavirus. Le nombre de morts est resté le même. C'est-à-dire, depuis 2015 déjà, on mourait plus de 100 personnes à Brazzaville chaque jour. Et c'est pareil, à cause des conditions de vie indignes. Les gens meurent de toutes les couches sociales et de tout âge confondu, à cause des conditions de vie indignes. Maintenant, là, tout devient coronavirus. Dès que tu fais, tu es coronavirus, il faut annoncer ça. Donc, il faut se dire que, comme nous n'avons pas de police technique et scientifique, et de tout ce qui est des systèmes judiciaires pour voir tous et toutes les autopsies et tout compagnie. Donc, on passe là. Donc, nous sommes en train de montrer que si les familles là, historiquement, s'ils sont, bon, sont déenterrés, il y a les cheveux, il y a plein de trucs, il faut faire les autopsies. Ah, voilà, je ne veux pas vous dire tout ça, quoi. On ne peut pas garder ça comme ça, ce n'est pas dans nos coutumes. Mais il y a des choses qui peuvent se passer, mais beaucoup sont morts par empoisonnement. Et donc, comme disait l'ancien premier ministre Scolati, il a dit que les techniques d'empoisonnement, ils ont atteint les niveaux énormes. Le matériel, le personnel, les moyens et tout comme ça, c'est énorme. Donc, il faut faire attention. Et beaucoup qui sont tombés depuis les Adois, les Turou, les Motado, les Avoukou et tout comme ça. Et les gens voient qu'il y a du feu. Ils voient que comme si c'est une crise cardiaque. Et maintenant, ils ont atteint les niveaux. C'est là les dangers d'après. Parce que quand ça va se mêler les secrets d'État et les règlements d'État, les raisons d'État et beaucoup de choses, comme ils ont été entraînés, dressés, conditionnés. Et il y a beaucoup de haine et rancune. On ne sait pas, comme disent certains, que demain, ça ne sera pas les ninjas, ni les cocos, ni les obélois, ou les silulous qui vont semer la terre là dans ce pays. Ce sont les Carlos qui seront transformés contre eux-mêmes. C'est-à-dire les Carlos, ce sont des gens qui ont été entraînés et conditionnés pour aller empoisonner les gens qui travaillent au sein de ces services-là. Donc, vous voyez, ce pays-là est en danger. Donc, nous cherchons la voie d'un consensus. Si on n'arrive pas, mais on va rentrer dans une période sombre qui va durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de violence ou de choses comme ça. Donc, on s'y prépare. Parce que 2021, on va arriver, ils ne vont pas lâcher. Donc préparez-vous, on est obligé de vous alerter. Nous, on a fait en 2014. On a alerté les gens congolais sur là. On est passé 2015. Et puis là, 2016. Nous sommes là dans la situation comme si nous étions en 2015. Moi, en 2019, là, nous sommes dans la même situation de 2015. Donc, il va passer en force en 2021 comme 2016. Et donc, cette fois-ci, les gens se sont préparés maintenant, massivement. D'autant plus que... les Congolais, le peuple va en profiter des erreurs de Sassou Nguesso, du clan et de la situation socio-économique et autres, et de tout ce que les gens ne vont plus se laisser faire. Donc, on s'y prépare. Donc, vous devez individuellement et préparer
hein, individuellement, collectivement préparé à quelque chose qui sera imprévisible. Et que le peuple gagne, il a tué les derniers mois parce que nous avons 92% des victimes de Sassou Nguesso, 92% des gens, des résidents et autres qui peuvent prendre le contrôle du pays, et 92% des chances de que nous récupérons notre pays pour enfin le restaurer. Et dans tous les cas, ceux qui parlent des élections et de tout ça, c'est leurs affaires. Ils peuvent faire 2021 à 2025, mais ils ne vont plus tenir. Ça va créer dans la situation piquée en RDC. Et c'est là que quand vous allez récupérer ni les Sassou, ni les Nguessou, ou les Nguessou et tout ça, ils seront mis dans le même sac. Parce qu'au moment où on va prendre un tordu qui peut être un militaire, et on fait qu'on fait une transition, un militaire sorti de nulle part, et qui va faire là dans le sens d'une transition à nous. Parce qu'on a été trompé par ces gens-là. Donc si vous ne voulez pas rentrer dans une phase critique de ce pays, donc commencez à repenser déjà à la transition politique consensuelle, où nous pouvons apaiser tout le monde, les esprits, responsabiliser les uns et les autres, et repenser une nation nouvelle. Mais donc, on revient sur ce consensus. Mais en attendant, ils sont en train d'éliminer. Ils vont éliminer. Donc, comme nous avons renoncé, autres, mais ils agissent. Parce qu'ils croisent les doigts. Ils croisent les doigts parce que tout peut s'échanger. C'est la vie, hein, qui ne risque rien à rien. Et ils risquent contre vous. Et ça marche, puisque depuis 2015, vu le capital décès, et le pays, la crise économique, sociale, humanitaire, et de tout ça, ils sont là, ils tiennent. Ce sont des mauvais. Ce sont des gens qui ont été entraînés de ces contre vous, noirs, africains et congolais. Et donc, il n'y a plus d'humanité. Si vous continuez à jouer à l'humanité, donc on vient de trouver les stratégies pour récupérer ce pays. Mais il me semble que ça soit arrivé par la violence. Je suis sûr et certain, dans 97% des cas, il va partir par la violence. Ça, je suis sûr et certain. Parce que, pourquoi? Il y a des gens qui n'aiment pas les nordistes. Inversement. Il y a des gens qui ont subi Sassou Nguesso. Et partout, dans tous les pays. Il y a des haineux, il y a des rancuniers, il y a des trop de victimes, il y a trop de choses. Et il y a des... Non, il reste que le truc. Mais si on ne capte pas cette énergie potentielle, qui va certainement se transformer en énergie cinétique, mais comment les dissiper, cette énergie? C'est tout le questionnement. Or, pour les dissiper cette énergie, il faut certainement qu'il y ait une transition politique consensuelle. Mais comment en arriver à cette transition? C'est tout le questionnement. Mesdames, messieurs, je vous remercie.